Le RC Lens effectuait un déplacement périlleux à Clermont lors de la 18e journée de Ligue 2. Dominé toute la rencontre et incapable de se procurer des occasions nettes, les Lensois sont tout parvenus à décrocher le nul, 0-0. Il récupère ainsi la troisième place du classement. Lens a été tenu en échec à Clermont 0-0 samedi lors de la 18e journée de Ligue 2 et compte désormais 5 points de retard sur le deuxième Brest, victorieux vendredi face à Béziers, 3-0. Les Lensois ont même frôlé la défaite sur un corner dans le temps additionnel. C'est un nouveau coup d'arrêt pour les hommes de Philippe Montagnier qui s'étaient relancés lors de la précédente journée en battant les Brestois à Bollard, 2-1, après une série de 5 matchs sans victoire. Quand face au 10e de Ligue 2, les Arcésiens ont connu une première période compliquée. Une frayeur d'abord à la 6e minute après un gros choc entre le gardien de sang et Orban Longleca, qui venait de rater sa sortie, et le milieu de Clermont à la famille. Le souffle coupé, le portier a repris sa place 3 minutes plus tard. Puis, le cas a dû s'employer face à des Clermontois beaucoup plus agressifs et entreprenants que leurs adversaires. Ndiaye, Aye et Honora se sont notamment montrés dangereux, sans toutefois réussir à tromper la vigilance du gardien corps. En seconde période, les Auvergnats ont à nouveau dominé les débats, les Lensois ne se réveillant timidement qu'en fin de match. Et ce sont finalement les Clermontois qui ont failli s'imposer dans les ultimes secondes. Andrea Tima a placé une tête que l'attaquant lensois Kiey a repoussé du pied sur la ligne. Quand la journée s'achève lundi avec le déplacement du leader Metz à Valenciennes, 20h45.